toi la gloire. Celui par qui tu es plus que vainqueur, il est celui qui tient ta main. Oh, je dis à toi la gloire, Seigneur. C'est toi qui me rends, c'est toi par qui je suis plus que vainqueur. Et je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, toi qui es ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, tu donnes la vie à mon corps mortel. Parce que tu es ressuscité, tu donnes la vie à ma vie. Tu veux, tu donnes le sens à ma vie. Alléluia. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens dans ta main les clés de la mort et du séjour des morts. Tu es le tout-puissant, le vivant, celui qui seul donne la vie. Notre sauveur, notre Seigneur, notre rocher, notre berger. Tu es celui que nous sommes venus adorer. Tu es celui pour qui nous vivons, car tu nous as donné la vie. Ô Seigneur, sois glorifié.
soit glorifié et que tout fléchisse devant ta majesté. Qu'aucun raisonnement ne conteste à ta parole qui est la vérité. Je renverse les forteresses et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ. Que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus-Christ, le Seigneur. Ô Saint-Esprit, glorifie Jésus, dans nos vies et au travers de nos vies. Car c'est à cela que sert l'Église, c'est à cela que sert la vie des rachetés, pour la gloire de Jésus, dans tous les domaines, à chaque instant et en tout lieu. Que Jésus soit glorifié. Que Jésus soit glorifié en ce lieu. Que Jésus soit glorifié au sein de son Église. Que Jésus soit glorifié dans nos vies. Que Jésus soit glorifié durant ce culte. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous devons entrer dans une phase offensive, une phase spirituelle offensive. Et nous allons pratiquer abondamment la prière. Alléluia. Dès demain, nous sommes là pour une semaine de prière. Et à partir du mois d'octobre, tous les midis, il y aura une heure de prière ici. Tous les midis. Ça, ce n'est pas une réunion d'église. Mais tous ceux qui peuvent avoir du temps, passez, nous allons intercéder abondamment. Alléluia. Donc, à cause de cette phase offensive dans la prière, parce que nous n'avons pas d'autre choix, Si nous ne dominons pas, nous serons dominés. Si nous ne résistons pas, si nous ne passons pas l'offensive, nous serons écrasés. Amen. Donc, à cause de cela, le mois d'octobre, on ne va pas produire un torrent pour le mois d'octobre. Tous les jours, on va prier avec 1 Timothée 2, 1 à 8. Tous les jours du mois d'octobre. Tous les jours. Un seul passage. 1 Timothée 2, 1 à 8. Par mail, pour ceux qui ne sont pas à l'église mais qui nous suivent à distance, on leur enverra quotidiennement un rappel du passage d'intercession avec une direction de prière. Alléluia. Et nous allons voir comment le Seigneur va nous diriger à partir du mois de novembre. Il y a un grand sentiment d'urgence parce que les temps ne sont pas très bons. Vous entendez? Mais nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses, au nom de Jésus. Alléluia. Les promesses du Seigneur ne s'attendent pas de manière passive. Elles s'attendent de manière active. Et la première activité que nous devons faire automatiquement, avant de savoir quoi faire exactement, c'est la prière. C'est de nous attendre au Seigneur. Alléluia. Jésus leur a dit d'attendre la puissance pour témoigner. Ben, ils ont persévéré dans la prière pendant environ 10 jours. Ils n'étaient pas là assis comme ça, en attendant que la promesse ne s'accomplisse. Ils ont attendu dans la prière. Alléluia. Avant de savoir quoi faire, nous savons déjà ce que nous devons commencer à faire. C'est de prier, de nous attendre à Dieu, de nous attendre au Seigneur jusqu'à ce qu'il nous parle. Alléluia. Êtes-vous prêt à intercéder efficacement avec nous durant ce mois d'octobre, à partir de demain soir déjà? Amen. Alors, nous allons parler de ceci. Le souverain maître des temps et des circonstances est à la porte. C'est ce qu'il m'a envoyé nous dire. Le souverain maître des temps et des circonstances est à la porte. Apocalypse 1, versets 7 à 8. Apocalypse 1, 7 à 8.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de son nom. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Apocalypse 22, chapitre 22. Apocalypse 22, 12 à 21. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens !» Et que celui qui entend dise « Viens !» Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part dans l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen. Daniel, chapitre 2, versets 20 et 21. Daniel 2, 20 et 21. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il a l'autorité de changer les temps et les circonstances. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. C'est lui qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Alléluia. C'est la combinaison de ces passages qui sont montés dans mon esprit et que j'ai reçu comme une pensée que le Seigneur nous adresse. Le souverain maître des temps et des circonstances est à la porte. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Daniel a dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. » Et Dieu nous a révélé son nom. Il s'appelle Jésus. Et il nous dit qu'il vient bientôt. Vous savez, Jésus est tellement grand qu'il peut changer les temps et les circonstances. Il a le pouvoir sur le temps et les circonstances. Actes chapitre 1, 1 à 8. Voici un moment important pour l'humanité. Le Seigneur est en train de partir et il confie son message
à ses premiers disciples. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé. Il a commencé afin que nous puissions continuer. De ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras quoi ?» Jésus parlait de quel royaume ? Le royaume de Dieu. Eux, ils parlaient de leur propre royaume, du royaume de leur nation. Ils n'ont pas la même lecture du temps que le Seigneur. Jésus dit explicitement que le temps est venu pour la manifestation du royaume de Dieu. Il a pris 40 jours pour leur enseigner ça. Mais ils restaient préoccupés par leur propre royaume. Le royaume de leur nation. Verset 7, il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Voici ici deux préoccupations qui sont différentes. Les apôtres sont préoccupés par le royaume d'Israël, le royaume de leur nation. Le royaume de leur nation, n'oubliez pas que tous ces apôtres étaient juifs. Donc quand on parle du royaume d'Israël, ne spiritualisez pas tout. Ils pensaient au royaume de leur nation et cela pourrait nous arriver ici. Chacun pourrait penser qu'il est venu, le temps est venu pour que le royaume de son pays émerge. Mais Jésus dit que cela n'est pas dans notre pouvoir. Ce n'est pas à nous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés. De sa propre autorité. Ce qu'il attend de nous, c'est de recevoir sa puissance, n'est-ce pas? Dans quel but? Dans le but d'être des témoins à partir de notre pays jusqu'aux extrémités de la terre. En réalité, le Seigneur veut étendre le royaume de Dieu sur toutes les nations, sur toute la terre. Et il veut un peuple prêt, qui n'est pas trop préoccupé par son propre royaume, et qui va limiter la puissance de Dieu à son propre royaume. Il ne veut pas ça. Alléluia. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas ça. La puissance de Dieu est trop grande pour être limitée à une seule nation. La puissance de Dieu est trop grande pour être limitée à une seule famille, à une seule maison, à une seule église locale. La puissance de Dieu est venue pour installer la seigneurie de Christ et le royaume de Dieu sur toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas quand viendra le temps de ta nation, mais je sais que le temps du royaume de Dieu est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a le pouvoir de changer les temps.
et les circonstances. Vous savez, les hommes peuvent se regrouper, faire un programme. Dieu n'est pas tenu de respecter notre programme. Il est souverain. Certaines personnes ont compris que le Seigneur était souverain et qu'il avait l'autorité, le pouvoir de faire ce qu'il veut et que c'était une peine perdue de lui résister. Regardons Jérémie d'abord. Jérémie chapitre 4, versets 10 à 19. Jérémie chapitre 4. Versets 10 à 19. Je dis, ah Seigneur, éternel, tu as donc trompé ce peuple et Jérusalem en disant, vous aurez la paix. Cependant, l'épée menace leur vie. Et en ce temps-là, il sera dit à ce peuple et à Jérusalem, un vent brûlant souffle des lieux élevés. Verset 16. Allons verset 16. Dites-le aux nations. Faites-le connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comment ceux qui gardent un champ, comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là le produit de tes voies, de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté. Certes, cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat et je ne puis me taire, car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Voici un jugement que Dieu a prononcé contre Jérusalem. Et le prophète qui a reçu ce jugement souffre, il ressent ça dans ses entrailles. Et il dit, mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire. Je ne puis me taire. Car tu entends mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. Il ne puis se taire parce qu'il sait que la sentence est annoncée. Les temps vont changer. La fausse joie dans laquelle se complaisait Jérusalem va changer. Pourquoi ? Parce que le souverain s'est levé. Il en a eu assez de la folie de son peuple, et il a décidé. Et celui qui a reçu cette parole ne fait pas comme Jonas, qui s'est contenté de dire, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Et d'ailleurs, au fond de lui, il espérait que Ninive soit détruit. Mais Dieu envoie une sentence, en espérant que quelqu'un se lève, et qu'il intercède, afin qu'il ne détruise pas la ville. Alléluia. Écoutez-moi, deux royaumes ne peuvent pas cohabiter ensemble. Lorsqu'un royaume plus grand arrive, il écrase le plus petit. Et si le petit royaume veut subsister, il doit faire allégeance. Et je suis venu souligner avec nous les sentences qui sont sorties de la bouche du Seigneur et qui sont dans sa parole, afin que nous intercédions pour que les nations accueillent le royaume au lieu de vouloir lui résister vainement, parce que c'est une résistance vaine. Personne ne peut contester avec Jésus. Vous entendez? Personne. Personne. Chapitre 20. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9. Jérémie chapitre 20, versets 7 à 9.
Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi, car toute le fois que je parle, il faut que je crie à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Ce monsieur a un message difficile, pourtant véridique. Et pendant qu'il l'annonce, on se moque de lui. Et il est devenu l'objet de raillerie dans sa ville et dans sa nation, alors qu'il annonçait la vérité. Alors, face à cette réaction, il ne lui restait que le choix, la décision de se taire. Mais il dit, mais si je me tais, il y a comme un feu dans mes entrailles qui me ronge. Je ne puis me taire et que ce feu vienne en toi au nom de Jésus. Je suis venu ici pour allumer ce feu en toi. Quand ce feu est en toi, tu parles. Bon et malgré. Tu parles quand on accepte. Tu parles quand on n'accepte pas. Tu parles quand on t'acclame. Tu parles quand on se moque de toi. Parce que tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas se taire. Tu ne peux pas te taire parce que ce feu brûle et te consume. Et que ce feu te consume. Je suis venu afin que le Saint-Esprit allume ce feu en toi. Ce n'est pas normal que l'on motive les chrétiens à témoigner. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas de feu en eux. On ne doit pas motiver pour l'évangélisation. On ne devrait pas. Si ce feu est en toi, personne ne te dira, va parler. Tu ne peux pas te taire. Mais parce que ce feu n'est pas en toi, tu te tais. Et quand on vient te motiver à l'église et tu oses parler, pas parce qu'il y a le feu en toi, mais parce qu'on t'a dit de le faire. Et si tu le fais sans avoir ce feu en toi, à la première moquerie, tu vas rentrer dans les rangs et te taire. À la première intimidation, tu vas rentrer dans les rangs. Et te taire. Voici le problème de l'église. Il n'y a pas ce feu en nous. Et à cause de cela, on est obligé, on est forcé à nous pousser. À nous pousser. On dit, frère, je vous en supplie, parlez du Seigneur. On ne doit pas te supplier pour ça. Si vraiment Jésus est le seul chemin, si vraiment l'évangile est la vérité, comment fais-tu pour te taire? Ou bien tu ne crois pas que Jésus est le seul chemin? Ou bien la perdition des autres ne t'intéresse pas? Cela veut dire que tu es méchant, égoïste, tu ne penses qu'à toi-même. Soit tu ne crois pas que Jésus est le seul chemin. Soit tu ne crois pas que l'évangile est la puissance de Dieu pour sauver. Soit tu ne crois pas que l'évangile est la vérité. Alors tu seras mou à parler. Ou bien tu le crois, mais tu es égoïste. Cette bonne nouvelle, tu ne regardes que les aspects qui t'intéressent. Et cet égoïsme, cette méchanceté peut t'envoyer en enfer. Alors que tu confesses que Jésus est Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de place pour les égoïstes au ciel. Il n'y a pas de place pour les méchants au ciel. Quelque chose va se passer tout au long de ton existence. À un moment donné, l'égoïsme va prendre le dessus. Et l'égoïsme va t'éloigner de Jésus. Il te restera la confession dans la bouche, mais aucune réalité.
un chrétien comme un glaçon, tout froid. Il n'y a pas de place pour les froids. Il n'y a pas de place pour les tièdes. Tu cours un danger à être froid. Tu cours un danger à être tiède. Ce n'est pas seulement les gens qui meurent autour de toi, mais tu mourras avec eux parce que tu es égoïste, méchant. Où est ce feu au cœur des enfants de Dieu? Où est-il? Il y en a tellement plus qu'on doit les pousser à parler de Jésus. Parce qu'il n'y a pas ce feu en eux. Et je suis venu te dire que tu es en danger. Parce qu'il dit, puisque tu es tiède, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai de ma bouche. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il accepterait ceux qui sont froids. Mais il était en train de parler à ceux qui se mettent au milieu, qui sont apparemment à l'aise avec les chauds, apparemment à l'aise avec les froids. Mes amis, il y a des choses qui arrivent. Si tu n'as pas ce feu en toi, tu te tairas. Que le Seigneur allume ce feu en chacun d'entre nous. Non, non, ce n'est pas normal. On ne doit pas pousser un enfant de Dieu à parler de Jésus. Non, 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 non. Je suis en train de relire la Bible. Les gens demandaient le baptême. Aujourd'hui, on supplie ceux qui croient à se faire baptiser. L'appel au salut même, c'est comme si on suppliait. S'il vous plaît, recevez Jésus. Non, non, non. Les gens avaient le cœur bouillant. C'est eux qui demandaient. Comment on va faire pour être sauvé? Les prédications des actes des apôtres ne terminaient pas. Ils lançaient pas l'appel. Ceux qui écoutaient interrompaient le message et posaient la question. L'eunuque éthiopien a demandé le baptême. Il a demandé. Mais aujourd'hui, les gens se croient importants. À peine on doit les supplier pour qu'ils se fassent baptiser. Je ne comprends pas un chrétien qui fasse 2 semaines dans la foi depuis qu'il a reçu Jésus. 2 semaines. Il n'a même pas commencé les cours de baptême. Ça ne lui traverse pas l'esprit. Est-ce que sa nouvelle naissance est authentique? Est-ce que c'est authentique? Il y a des choses qui ne s'apprennent pas. Des enfants de Dieu qui ne lisent pas la Bible, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Pierre dit dans 1 Pierre 3, 3, « Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait pur, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. » Est-ce qu'on apprend un bébé à désirer le lait maternel? Si la Bible ne t'attire pas, tu as un problème. On doit vérifier, tu dois vérifier toi-même. Je n'ai pas le temps à perdre pour ça. Vérifie si tu es né de nouveau. La faim et la soif sont des choses qu'on n'enseigne pas. On n'enseigne pas ça. Où est ce feu au milieu de nous? Je disais au premier culte, je suis écœuré de voir comment on demande aux enfants de Dieu d'apporter les offrandes, de contribuer. On ne doit pas demander. C'est quelque chose que je ne comprends pas et que je refuse de faire. Tu veux, tu donnes. Tu ne veux pas, tu ne donnes pas. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Personne n'avait intercédé. Personne n'avait demandé à Dieu de nous donner son Fils. Mais l'amour l'a motivé. Et quand il a fait, nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Nous étions pécheurs. Dieu ne pouvait pas ne pas donner le meilleur. Pourquoi? Pas parce qu'on a demandé, mais parce qu'il nous a tant aimés. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Pourquoi vous êtes froid comme ça? Quel Jésus vous avez rencontré? Expliquez-moi un peu votre histoire. Et si vous ne l'avez pas rencontré, qu'êtes-vous venu faire ici? Quel Jésus vous avez rencontré?
Expliquez-moi un peu cette affaire. Comment il est votre Jésus? C'est le Jésus de quel livre? De cette Bible-là même? Oh Seigneur. Et voilà les chrétiens qui veulent qu'on leur caresse dans le sens du poil. Qu'on leur raconte ce qui va leur plaire. Si tu as l'Esprit de Christ, tu ne vas pas aimer ça. Au fond de toi, tu sais. Regardez Paul a expérimenté la même chose. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Vous avez vu ça? Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit, la nécessité m'en est imposée. C'est une nécessité. J'en suis tellement conscient que si j'annonce pas l'évangile, je suis malheureux. Une telle personne, mais on n'a pas besoin de le motiver. Les premiers croyants devenaient immédiatement des témoins. Il n'y avait pas de séminaire dans les Actes des Apôtres. Vous avez vu un séminaire? C'était du tic au tac, parce que leur contact avec le ressuscité était authentique. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Quel Jésus as-tu rencontré? De Corinthiens, chapitre 3. De Corinthiens 5, plutôt. Verset 12. À partir du verset 12. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons une occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. Verset 13. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? L'Église d'aujourd'hui, quand il considère 2 Corinthiens 5, il annonce des prétextes. Il prend ce texte et il sélectionne des morceaux. Et il annonce des prétextes. C'est le verset 17 qui intéresse. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis Amen, parce que c'est écrit. Et saute le verset 8. Tout cela vient de Dieu, il saute. Et il annonce un prétexte. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur pour Christ fait quoi? Il a le ministère de la réconciliation. Au point de se rabaisser et dire, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce qu'un ambassadeur supplie les gens? Est-ce qu'un ambassadeur du monde se rabaisse?
Tu ne peux pas saisir la vérité si tu ne prends pas tout le texte. Si tu commences au verset 13, tu ne peux pas tomber dans les prétextes. Parce que tu sens l'homme qui est en train de dire, l'amour de Christ nous presse. Nous avons compris qu'un seul est mort pour tous. Un seul est mort pour tous. Alors plus personne n'a le droit de vivre pour lui-même. Et quand il te dit que tu es ambassadeur, tu dis « Amen Seigneur ». Un ambassadeur n'a pas de volonté. Quelle est ta volonté Seigneur? Je veux parler de ta part. Si tu crois que Jésus est mort pour tous, tu n'as plus le droit de vivre pour toi-même. Mais si l'amour de Christ, si l'amour de Christ ne te presse pas, tu continueras à vivre pour toi-même. Et à partir de ce moment, la Bible va devenir un livre de prétexte. Tu vas sélectionner les passages qui t'intéressent. Vous savez, tu peux confesser une parole de Dieu, mais être en train de dire un mensonge. Quand vous prenez le discours d'une personne, vous prenez juste une phrase, vous la sortez de son contexte, ça peut changer tout ce qu'il voulait dire. Je dis à mes amis les musiciens, si tu composes un cantique où tu dis, tu veux nous apprendre que nous sommes des héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si ton texte de base est dans Romains 8, ça ne va pas être une chanson dansante. Parce que l'héritage dont il est question là est un héritage auquel on a accès par la communion de ses souffrances. On confesse cet héritage avec larmes. Il y a d'autres passages où on confesse l'héritage avec danse. Je ne suis pas contre les danses. Hein. Je suis très content quand je vous vois danser. Je suis très content. Nous devons danser pour le Seigneur. Mais tu dois savoir sur quoi tu t'appuies. Quel est le passage qui t'inspire? Pour être totalement dans la vérité, parce que même le diable a voulu tenter Jésus avec l'écriture en le sortant de son contexte. Ne joue pas le jeu du diable. Est-ce que l'amour de Christ te presse? Qui d'entre nous croit que Christ est mort pour tous? Alors tu ne dois plus vivre pour toi-même. Si tu continues de vivre pour toi-même, c'est que tu ne crois pas que Christ est mort pour tous. Celui qui vit pour lui-même s'extrait de la mort de Christ pour lui. Vous m'entendez? Parce que lorsqu'une personne meurt, elle n'a plus de volonté. Elle n'existe plus. La mort de Christ a mis fin à notre mort, à notre condamnation. Certes, il a pris notre condamnation, certes, mais il a pris aussi notre vie. À la croix, Christ a pris ma vie. J'étais mort par mes offenses, mais il m'a rendu la vie à la croix de son Fils. Et quand je crois à l'œuvre de la croix, je ne vis plus avec ma propre vie. Puisque je suis mort, je vis avec la vie qu'il me donne. Donc je ne décide plus de ce que je dois faire. Puisque je suis mort. Mais si tu continues de vivre avec ta vie, tu iras en enfer. Parce que la vie avec laquelle nous vivons, nous avons vécu avant de rencontrer Christ, nous conduisait tout droit en enfer. Car tous sont péchés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que l'amour de Christ te presse? Est-ce que ce feu brûle en toi?
C'est ça que Dieu attend de nous maintenant. Si tu arrives à ce point, je vous assure, il n'y aura plus de mois d'évangélisation. Ce sera la vie d'évangélisation. On n'aura même plus besoin d'une prédication pour ça. Vous imaginez comment on ira plus loin si le béaba devient naturel? Ma toute première prédication en dehors de mon église, j'avais 18 ans. Je passe les détails. Le Seigneur s'était servi de moi dans une famille, j'étais jeune, je ne m'en rendais pas compte moi. J'ai juste mis ma foi en action et de fil en aiguille, le message est arrivé jusque chez un pasteur, bref. Et il voulait monter l'équipe de jeunesse de son église et de fil en aiguille, voilà, finalement il m'a invité. J'étais jeune. Je ne me regardais pas comme un prédicateur. J'étais simplement en train de vivre ce que je lisais, ce qu'on nous disait à l'église. Et ce grand pasteur qui m'appelle, dit « Viens parler chez nous ». Je dis « Qui suis-je moi ?» Il dit « Oublie ça, viens parler seulement ». Et pour me rassurer, avec mon bas âge, j'ai dit « Je vais prier pour toi, je vais jeûner pour toi ». Et je me suis appuyé sur lui, le grand homme de Dieu. J'arrive. Non. Deux jours avant, il a envoyé un évangéliste qui était responsable de la jeunesse. Il lui dit, va lui dire, il y a des besoins. Ils avaient, l'église était minée par l'impudicité. Et donc l'évangéliste m'a dit, tu vas parler de la pureté. D'accord. Je suis allé prier. J'ai rassemblé mes passages. Et à un moment, le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, Seigneur, je me prépare pour le message. Il me dit, quel message? Je dis, mais la parole de Dieu, il dit, qui t'a donné cette parole? Il dit, Seigneur, mais c'est l'Écriture. Il dit, oui, l'Écriture, mais qui te l'a donné? Je ne comprenais rien, j'étais au début. Je ne pensais même pas que le ministère de prédicateur commençait. Pour moi, c'était juste un témoignage. Une fois. Et puis le Saint-Esprit me dit, est-ce que ces jeunes-là ne savent pas que c'est mal? Et j'ai, ma voix, vous savez, le Saint-Esprit est formidable. Le Saint-Esprit te fait entendre la voix de Dieu, parce que lui sent les profondeurs du Père, et il répond à Dieu à travers ta bouche. Donc j'assistais à une conversation entre Dieu et moi. Mais moi-même, j'étais spectateur. Le Seigneur m'a dit, est-ce qu'ils ne savent pas que c'est mal? Avant que je ne réfléchisse, ma bouche a dit, oui, ils savent que c'est mal, c'est pour ça qu'ils se cachent. Je vous assure, ce n'est pas moi, ma bouche a parlé, moi aussi j'ai entendu. Alors le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi aller dire aux gens ce qu'ils savent déjà? Et j'ai compris qu'il fallait que je leur dise ce qu'ils ne savent pas. C'était ma toute première prédication. À la fin de cette prédication, l'apôtre, parce que ce pasteur-là se disait apôtre, a décidé de m'établir évangéliste. Après une prédication, à l'âge de 18 ans, ils allaient me tuer. Heureusement que j'étais bien préparé dans mon église locale. Je fuis. J'étais pas prêt. J'étais immature. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée. Ça n'a rien à voir avec ma maturité. Aujourd'hui, cette église-là n'existe plus. Le fameux apôtre est un commerçant. Il n'a même plus de parfum de Christ. Ce sont des gens qui plaisantaient avec la parole de Dieu. Si ce feu s'allume en toi, si son amour te presse, mes amis, la prédication d'aujourd'hui deviendra inutile après. On est descendu trop bas. Est-ce qu'on doit rappeler à un mari qui doit aimer sa femme? Hein? Est-ce qu'on doit rappeler aux parents qui doivent aimer leurs enfants?
y a des choses qui ne s'apprennent pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas rappeler. Si on commence à les rappeler, il y a un problème. Où est ce feu en nous? Où est cet amour en nous? Je répète, quel Christ as-tu rencontré? Quel Christ? Quel Christ? Il est le même. Je répète, je vous parle de la part du Seigneur. Il y a des moqueries qui arrivent. Si tu n'as pas ce feu, tu te tairas à jamais. On s'est moqué de nous pour Jésus. Il y a des années, une jeune fille s'est moquée de moi. Je vous passe les détails. 20 ans plus tard, je me retrouve dans une église et j'apporte la parole. Et le pasteur est content. Il dit, le pasteur nous a tellement bénis, aujourd'hui c'est lui qui va bénir les enfants qui sont là. J'étais sur l'estrade, la maman, c'était des jumeaux, a apporté les enfants, elle a baissé la tête. C'est la jeune fille qui s'était moquée de moi. 20 ans plus tard, j'étais en train de bénir ses enfants. Après le culte, elle est venue me demander pardon. Je dis, je ne m'en souviens même plus. Elle m'a dit, tu vas manger ton Jésus. Si tu continues comme ça, toutes les filles vont te passer entre tes mains à cause de ta Bible. Est-ce que nous allons manger la Bible? Mais 20 ans plus tard, c'est celui qui mangeait la Bible qui a béni ses enfants. On va manger la Bible. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous aimez trop être choyé. C'est une génération bizarre. Un petit reproche, tu vois, l'enfant se gonfle comme ça. Mais c'est l'amour. C'est l'amour. Si je te vois aller dans un trou, est-ce que je dois t'acclamer? Est-ce que ça, c'est l'amour? Qui vous a appris ça? Qui vous a appris ça? Quelle génération vous êtes? Quel Jésus vous avez rencontré? Où est son feu? Où est l'amour dans votre cœur? On me dit non, les pasteurs se querellent. Il y a même des pasteurs qui empoisonnent les âmes. Je dis point, stop, attends. Est-il un pasteur? Il dit oui, vraiment. Je dis, est-il un pasteur? Il dit oui. Je dis mais est-il chrétien? C'est un non-chrétien qui est devenu pasteur. Un chrétien qui déteste son prochain au point de l'empoisonner. Même la plupart des païens ne font pas ça. J'ai pris le cas de Jérémie. J'ai pris le cas de Paul. Regardons Jésus lui-même. Est-ce qu'il nous exige quelque chose qu'il n'a pas fait? Vous savez qu'il ne peut pas faire ça, n'est-ce pas? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Commençons au verset 6 à 8. Jean 4, 6 à 8. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, fatigué, vous voyez? Fatigué, mes amis, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Jésus était fatigué. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. C'est pas comme certains disent, un moyen de contact. Non, c'était pas un moyen de contact. C'était pas un moyen de contact. Il était au bord du puits. Il n'a rien pour puiser. C'est ce que la femme va lui dire. Ce n'est pas un moyen de contact. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voici Jésus qui a faim, qui est fatigué, qui a soif. Une femme bien. Il a soif.
Il lui demande à boire. Mais la manière dont la femme va répondre va amener Jésus à s'oublier. Ah non, non, il s'oublie. Il dit, je ne peux pas continuer dans le naturel avec un tel raisonnement. N'est-ce pas? Si Jésus s'était dit, bon, je suis fatigué, je ne veux pas m'embrouiller avec cette femme, vous savez quoi? Vous savez ce qui allait se passer? Il n'allait pas avoir à boire et il n'allait pas sauver une femme. Ça, c'est pour que tu apprennes à mettre tes désirs au second plan pour servir le Père. Vous connaissez l'histoire? Allons au verset 27. 27. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il avait, qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu? De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme ayant laissé sa cruche. Cette histoire est curieuse, hein? Jésus n'a pas eu à boire, la femme non plus n'a pas puisé. Vous comprenez ça? C'est curieux, hein? Ça nous montre que le désir le plus profond de l'homme, nous allons le voir dans la suite. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit, venez voir, ne dors pas. Continue. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Qui? Toute la ville est venue à Jésus. Pendant ce temps, les disciples pressaient, le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Il y a une pression extérieure sur une personne qui avait une pression intérieure. L'amour de Dieu me presse. Tant d'eux. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne... Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Alléluia! Si tu manges la nourriture naturelle, tu auras faim. Tu seras rassasié, tu auras encore faim. Mais si tu mets ta faim au second plan et que tu sers Dieu, tu auras une satisfaction spirituelle. Et par-dessus, Dieu va te servir lui-même. Il va t'envoyer du pain. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand ta faim est ta priorité, tu passes à côté de la provision surnaturelle et de la bénédiction d'accomplir la volonté de Dieu. Et vous allez en Matthieu chapitre 15, la seconde multiplication des pains. La Bible dit que Jésus était là, il enseignait, il guérissait des malades, des multitudes, pendant 3 jours. Et Jésus dit, il appelle ses disciples, il leur dit, voici, cette foule est avec moi depuis 3 jours. Et dans d'autres versions, on dit, renvoie-les. De peur qu'ils ne défaillent. Je me dis, bon, c'est Jésus qui a parlé pendant 3 jours. C'est Jésus qui a guéri pendant 3 jours. Et on constate qu'après ce temps de 3 jours, il faut nourrir la foule. Sinon, elle va défaillir. Si la foule qui était en train de recevoir va défaillir. Que dire de Jésus qui a travaillé pendant 3 jours?
Hein? Mais regardez, non seulement lui ne se fatiguait pas, en plus, il était au-dessus de leurs besoins. C'est ce qui arrive quand tu mets tes propres besoins au second plan et que tu sers Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Non seulement tu auras ce dont tu as besoin, mais tu en auras pour ceux qui ne font pas de Dieu leur priorité. Quel genre de vie tu veux vivre? De quel côté de l'histoire veux-tu te positionner? Du côté de ceux qui reçoivent ou de ceux qui donnent? Réponds. Tu as le choix. Tu as le choix. Vous voyez la même chose avec Pierre dans Actes chapitre 10. La révélation est venue pendant qu'il avait faim. Et en attendant d'être servi, Pierre a eu la sagesse d'aller prier. L'homme avait appris à ne pas mettre ses désirs au premier plan. La faim ou la fatigue n'était pas une excuse pour ne pas prier. Dieu n'est pas contre le fait que tu manges, mais en attendant que le repas soit prêt, ne dis pas « je suis trop fatigué pour prier ». J'ai trop faim pour prier. Et là, le maître des temps va envoyer une nappe de révélation. Il lui dit « tu es mange ». Pierre dit « j'ai jamais rien mangé d'impur ». Pierre ne comprenait pas que le temps avait changé. Celui qui change le temps était en train de lui parler. Et quand finalement Pierre a accepté, vous lisez, le Saint-Esprit lui dit, les gens te demandent, va sans hésiter, Saint-Esprit, sans hésiter. Mais l'homme avait faim, il était fatigué. Tu lui dis pas, s'il te plaît, de la bouche du Seigneur, ça n'a aucun sens. Il ne faut pas accepter ça. Si le Seigneur te dit, s'il te plaît, il te teste. Dis, Seigneur, ne me parle plus comme ça. Parle, ton serviteur écoute. S'il te plaît. Voici le genre de chrétiens qui ont saisi les choses du bon côté. Dès le début. N'est-ce pas? Pierre avait appris ça dans Luc chapitre 5. L'homme a travaillé toute la nuit sans succès. N'est-ce pas? Vous savez que Jésus est bon, non? Il est bienveillant, non? Écoutez vos cantiques de cette génération. Vos cantiques nous présentent un Jésus sensuel. Ah oui, ta présence me fait du bien. Tu parles du Saint-Esprit? La présence du Saint-Esprit n'est pas là pour nous faire du bien. Elle est là pour nous transformer. On présente à l'église un Jésus trop faible, qui est au service de nos désirs. Jésus monte dans la barque de Pierre. Il sait que l'homme a échoué toute la nuit, oui ou non? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, rame encore. Quoi? Quel méchant Seigneur tu es! Je suis en train de tout emballer dans ma tristesse. Et toi, tu viens, tu n'es même pas foutu de penser à moi. Tu me demandes même pas comment je veux, même pas un bonjour. Et tu me dis encore d'aller là-bas où j'ai échoué. Je dis, mais tu as échoué sans moi. Retourne là où tu avais échoué avec moi. Et ils vont sentir que tu as changé, quelque chose a changé. Amen. Ok, allons-y. Sans conviction, Pierre rame.
Et l'homme commence à enseigner le royaume à travers sa barque. Il enseigne. Jésus était tellement fort que quand il parle, jamais homme n'a parlé comme lui. Pierre a commencé à écouter. Il se dit, ne serait-ce pas pour ça que j'ai échoué? Mais je n'avais pas compris les choses comme ça. Lui aussi l'écoutait. Après, Jésus se retourne à lui. Il ne lui dit pas s'il veut avoir une bonne poisson. Non, une bonne pêche de poisson. Il lui dit, avance en eau profonde. Vous savez ce que ça veut dire? Rame encore plus loin. Ah, quel genre de Jésus tu es? Tu ne loues même pas ma barque, c'est gratuit. Tu parles longtemps, moi je suis fatigué. Et tu me demandes de travailler encore. Et puis jette le fil. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Mais regardez le christianisme renversé. C'est que je dois d'abord voir la pêche miraculeuse avant de lui permettre de parler dans ma barque. Tu sais ce que Jésus va faire? Il va te donner la pêche miraculeuse et il sort. Il s'en va. Parce que ça ne marche pas comme ça. Vous m'entendez? Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. 1 Samuel 1, Anne, la même chose. La pauvre dame est en train de se lamenter pour un bébé. Dieu ne fait rien. Quel méchant Dieu il est. Il n'est pas méchant. Jusqu'à ce que la femme évolue dans la prière et qu'elle décide de faire de Dieu sa priorité. Tu sais, Dieu est ta priorité quand tu es prompt à lui donner ce qui te coûte le plus cher. Et elle va faire une promesse sans être sûre qu'elle aura un autre enfant. Elle va livrer l'objet de son attente, l'attente de sa vie. Ce qu'elle aura attendu toute sa vie, elle va promettre à Dieu de lui donner. Dieu, le Saint-Esprit est content parce que là maintenant son cœur est retourné dans la bonne direction. Vous m'entendez? C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et je peux vous citer des noms et des noms dans la Bible à qui Dieu a fini par apprendre ça. Et vous savez, Dieu veut apprendre ça à tout le monde. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui vont accepter ça. De mettre leurs besoins en second lieu. Et de faire du royaume de Dieu et de la justice de Dieu leur priorité. Alléluia. Je termine avec Moïse. Le peuple est en train de souffrir. Moïse est loin en Madian. Dans une routine mortelle auprès des troupeaux. Et Dieu vient et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, Moïse? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'as-tu fait du privilège que je t'avais accordé? Qu'as-tu fait? Vous savez, si on tenait l'arbre généalogique d'Israël, vous allez voir que pendant une période de 2 ans, il n'y aura aucun garçon. C'est comme si on disait, de 2018 à 2020, il n'y a aucun garçon en Israël, aucun. Il n'y a que des filles, parce que tous les mâles ont été tués, sauf un seul. Vous vous rendez compte? Vous réalisez? Le rescapé. Dans une période de 2 ans en Israël, il n'y a aucun garçon. Aaron a survécu parce qu'il était son grand frère. Vous entendez? Vous sautez les actes de naissance d'Israël. Il n'y a que des filles dans une période de 2 ans. Que des filles! Mais Dieu a mis sa main.
il a fait de Moïse le seul rescapé. Première chose. Deuxièmement, il a fait de lui un privilégié. Là où aucun garçon ne pouvait vivre, non seulement que Dieu a protégé Moïse, ça déjà c'était beaucoup, et il a fait grandir dans la cour royale. Et tu penses que Dieu a fait tout ça pour rien? Commence à regarder maintenant combien sont tombés dans ta génération. Commence à réfléchir. Tu penses que tu es là pour rien? C'est ça? Dieu t'a protégé pour tes beaux yeux, c'est ça? Il a fait pour rien? Mais c'est parce qu'il a un plan. Il a un plan. Le fait que tu sois assis ici est une preuve. Je n'ai pas besoin d'être prophète. C'est une preuve que Dieu a un plan. Tu aurais pu ne pas être là. Il y a des gens qui ont fait moins pire que toi et qui ont trépassé, tu le sais, n'est-ce pas? Ne le sais-tu pas? Toi, qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi certains ont fait moins pire que toi et sont passés? Et toi, tu es resté? Comment tu expliques ça? Voici la réponse. Dieu a un plan. Il t'a préservé pour des temps comme ceci. Mais voici Moïse se cache dans une routine. Loin du plan de Dieu. Il a tourné le dos au plan de Dieu. Et Dieu vient et dit, Moïse, que fais-tu ici? Moïse dit à Dieu, tu ne vas pas me reprocher. Tu sais que j'avais essayé. J'avais compris que tu avais un plan. J'avais compris. Tu ne vas pas m'accuser d'être parti. J'avais essayé. Tu dis, avec moi, on n'essaye pas. Avec moi, on fait. On n'essaye pas. Tu avais essayé sans moi. Maintenant, tu vas aller avec moi. Et tu vas voir la différence. Même chose, Dieu va le renvoyer là où il avait échoué. Vous m'entendez? Comme il a renvoyé Pierre dans l'eau où il avait échoué, Dieu va le renvoyer là où il avait fui. Parce que quand Dieu est avec toi, ton histoire change, les temps changent. Les circonstances changent, les saisons changent. La personne semble être la même, mais il y a quelqu'un avec lui, il y a quelqu'un en lui. Mais quand Dieu vient, c'est pour être le majeur. C'est pour être le boss. C'est pour être le Seigneur. Et soudain, Moïse réalise que le peuple était en train de crier. Il le réalise comment? Parce que Dieu dit, le cri de mon peuple est monté vers moi. Entends-tu ces cris-là? Tu ne peux pas les entendre par toi-même. Dieu veut que tu entendes ce que lui, il entend. Dieu veut que tu vois ce que lui, il voit. Et tu vois ça dans sa présence. Parfois, je vous vois dans mon lieu de prière. Si je viens comme ça, là, tu vas me mentir. Ou bien tu vas me dire une partie de la vérité. Mais si je parle avec celui qui te voit, avec celui qui t'entend, alors j'entends tes cris. Je vois tes douleurs. Je vois l'oppresseur. Entends-tu les cris, mes amis? Si Dieu t'ouvre les oreilles, tu vas être traumatisé. Les nations pleurent. Les gens souffrent. Ils souffrent. Il y a trop de douleur. Un système oppressant. Appelez le monde. Décrimente tous les jours. Dépasse.
dépasser l'apparence, dépasser l'apparence. Les gens que tu côtoies tous les jours, ils sont misérables, malheureux, des esclaves, ils crient. Dieu les entend, mais il va agir par nous. Alléluia. Amen. Mais si tu es préoccupé par tes propres cris, tu es disqualifié pour jouer le rôle de Moïse. Tu es disqualifié pour jouer le rôle de Pierre. Tu es disqualifié pour jouer le rôle de Jérémie. Tu es disqualifié pour jouer le rôle de Paul. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé par toi-même. Les temps ont changé, mes amis. Dieu a été patient jusque-là, mais il te dit les temps ont changé. Les temps ont changé, mes amis. Le chef de l'armée se lève et dit « Qui ira avec moi ?» Les temps ont changé et il t'appelle et il m'appelle. Tu ne peux pas le suivre en poursuivant tes propres ambitions. Est-ce que tu m'entends ? J'ai envie de te dire que si tu fais ta volonté, il va s'occuper de toi. Mais il n'est pas obligé de le faire. Il peut aussi ne pas s'occuper de toi. Tu m'entends? Il n'est pas obligé. Mais il va le faire parce qu'il est bon. Alléluia. Mais veille sur ton cœur pour ne pas être motivé par l'intérêt, mais être pressé par l'amour. Et laisser ce feu brûler en toi et te consumer. J'ai vu des gens être guéris sans prière. Ils ont simplement retourné leur vie dans le bon sens. J'ai vu des gens être guéris en se disant, bon, avec le peu de temps qui me reste à vivre, je vais le rendre utile pour Dieu. Et ils sont vivants jusqu'aujourd'hui. Je me suis occupé d'une dame hier, par WhatsApp. Elle avait un problème de maladie. Elle a demandé mon aide. Alors je me suis attendu au Seigneur. Il m'a donné quelques paroles. Il dit, enseigne-la. J'ai plus du temps. Je commence à lui présenter. Elle me dit, mais pasteur, tous ces versets que tu as cités, je les connais. Mais c'est comme si les écailles tombent de mes yeux. Elle me dit, je me sens mieux déjà. J'étais rongé par la douleur. Elle avait un voile de ses propres soucis. Ça devient comme un voile. Jésus est notre Seigneur. Il n'est pas notre serviteur. Jésus est notre Seigneur. Il n'est pas notre serviteur. Jésus est notre Seigneur. Il n'est pas notre serviteur. Je te propose la seule manière de bien vivre, c'est de vivre pour lui. Il te donnera la sagesse pour le reste, mais c'est lui qui doit être la priorité. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Le reste, c'est la religion chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Tu vas parler de lui quand les gens seront d'accord. Tu vas parler de lui quand les gens vont se moquer de toi. Tu ne pourras pas te taire. Le feu va brûler en toi. Et je prierai pendant un mois pour que tu sois tourmenté dans le bon sens par ce feu au-dedans de toi. Que l'amour de Dieu vous presse. Alléluia. Que son feu brûle en vous. Que son feu consume vos entrailles comme il consume les miens. Alléluia. Ne cherchez pas l'approbation des hommes, on n'a rien à faire avec ça. Je veux la louange qui vient de Dieu. Amen. Je veux l'approbation et la reconnaissance qui vient de Dieu. Je veux la couronne éternelle. Alléluia. Alléluia. Alors reçois maintenant en toi le feu du Saint-Esprit.
reçois au-dedans de toi le feu du Saint-Esprit. C'est un feu qui va consumer toute mauvaise ambition. C'est un feu qui va carboniser tous les obstacles. C'est un feu qui va purifier ton cœur, afin que ton cœur soit rempli d'amour pour Christ. Reçois maintenant en toi ce feu. Ce feu est en train de préparer la place à une nouvelle dynamique de l'amour de Christ. Reçois ce feu en toi. Reçois ce feu en toi. Ce feu est là. Il est là. Le Saint-Esprit est en train de le communiquer maintenant. Reçois ce feu dans ton cœur. C'est un feu spirituel. C'est un feu spirituel. Celui qui ouvre son cœur, ce feu entre. Et tu ne seras plus jamais le même. Les choses contre lesquelles tu luttes, tu vas être débarrassé spontanément par la puissance du feu du Saint-Esprit. Ce feu ne respecte rien. Ce feu ne craint rien. Ce feu est un feu dévorant. C'est un feu dévorant. Il consume maintenant tout ce qui n'a pas lieu d'être dans le temple du Saint-Esprit. Qu'est ton corps? Maintenant, j'invoque ce feu. Pas dans l'air, mais dans ton cœur. J'invoque maintenant ce feu. Oh Père, embrase maintenant ces vies. Allume dans nos cœurs ce feu dont nous avons besoin, afin qu'il brûle maintenant de l'intérieur, qu'il brûle de l'intérieur, qu'il brûle de l'intérieur. Ce feu est en train d'agir, je le proclame par la foi, et je sais qu'il est en train d'agir par la foi, et je sais que le Saint-Esprit est en train de l'infuser maintenant, il est en train de l'infuser en toi. Ce feu est en train de consumer la paresse, la nonchalance, la mollesse, la faiblesse qui est devenue chronique. C'est devenu chronique. Tu es devenu trop dépendant de l'approbation des hommes, et c'est devenu chronique. C'est devenu une maladie. Tu en es devenu maladif. Maintenant, tu es libéré au nom de Jésus. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et j'invoque maintenant au nom de Jésus dans ton cœur ce feu purificateur, ce feu libérateur, ce feu dévorant, te consume. J'invoque ce feu maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce feu carbonise maintenant, il carbonise. Désormais, ce mal devient de la cendre. Ce mal devient de la cendre. Ce défaut de caractère devient de la cendre. Ce n'est pas ton caractère, car tu es né de Dieu. Tu es né de l'Esprit de Dieu. C'est le caractère de Christ qui est ta nature. Je consume maintenant. Je consume la sensualité. Je consume tout ce qui est charnel. Je consume maintenant. Je consume. Maintenant dans le nom de Jésus, j'invoque ce feu. Recevez ce feu. Continuez de recevoir ce feu. Continuez. Le travail de ce feu ne s'est pas arrêté. Le travail de ce feu continue. Et il opère maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'invoque maintenant ce feu sur ta langue. Le Seigneur embrase ta langue. Le Seigneur embrase ta langue. Il embrase tes entrailles. Il embrase ta langue maintenant. Les paroles négatives sont consumées. Au nom de Jésus, les paroles négatives sont consumées. Les paroles de désespoir sont consumées. Les paroles de faiblesse, de toutes sortes de complexes sont consumées par le feu d'en haut. Le feu que l'homme ne peut pas allumer. Le feu du Saint-Esprit maintenant embrase. Le feu est sur ta langue maintenant. Tu la reçois sur ta langue. Certains parlent pour la première fois en langue. C'est le feu
feu de l'esprit qui embrasse ta langue maintenant. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois maintenant le feu de Dieu sur ta langue. Le feu de Dieu sur ta langue. Le brasier qui est devant l'autel. Touche maintenant ta bouche. Les langues de feu descendent sur chacun maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Reçois les langages d'en haut. Le langage céleste. Le langage divin. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Rayaski ramande. Brosakaramante. Ramande teliakorabashente. Irasakabababa. Yekenterianta kobranede. Rasakabababa. Yokontobo shiregante. Miratokosai. Miratokosai. Ebante korabasante reba. Yegeregandaraba. Iragandere. Yeragabababa. Shakarabababa. Écoute ce que l'Esprit du Seigneur dit. Il dit, je t'envoie maintenant un feu stratégique. Il va localiser ce qui ne va pas dans ton corps. Ce feu stratégique entre en toi et consume la maladie. Il consume la maladie. Le feu stratégique du Saint-Esprit localise ce mal et le consume maintenant. Au nom de Jésus, afin que tu saches que le Seigneur t'a appelé ici. Afin que tu saches qu'il a changé le temps. Afin que tu saches qu'il est le maître souverain du temps et des circonstances. Il y a un feu stratégique qui vient maintenant sur des situations précises. J'invoque le feu stratégique du Saint-Esprit sur des situations précises. Ces situations n'existent plus. Ces situations n'existent plus au nom de Jésus. Ces problèmes n'existent plus au nom de Jésus. Ce mal n'existe plus. Où il n'est plus là. Car le feu de Dieu est passé. Le feu de Dieu est passé. Le feu de Dieu a tout embrasé. Le feu de Dieu a tout balayé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alléluia. 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 Vas-y, prie en langue, prie. Oh, toi dont la langue a été embrasée. Parle, parle, parle le langage d'en haut, parle, oui c'est le Seigneur qui fait ça, parle, oh chatekraya, zegabara ganderia darararara, rasagli manderegolta, yekentabraneria koraboskama, rasagli emerebaba yonto, rekassari antebrano dalede, lekerebandere bosharadaga, Ragabarababa Baranda Karada Randa Karaba Shakarada Rakababa Baba Rakamandarada. Je vois un arrêt de mort consumé. Un arrêt de mort est en train d'être consumé. Dieu consume un arrêt de mort. Il y a un arrêt de mort qui est consumé même. Je vois des chaînes qui s'éclatent au feu du Saint-Esprit. Les liens sont en train d'éclater. Au feu du Saint-Esprit, le feu dévorant, 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 le feu dévorant. Souviens-toi, mon enfant, souviens-toi, ma fille, souviens-toi, mon fils. De tout ce dont je t'ai épargné, c'était pour des temps comme ceci. Parce que j'ai un plan. J'ai un plan pour toi. Seigneur, ouvre leurs oreilles maintenant. Afin qu'ils entendent les cris pendant un instant. Ouvre les oreilles de ton peuple pendant un instant. Afin qu'ils entendent ces cris. Ouvre leurs yeux pendant un instant. Afin qu'ils voient. Un instant, Seigneur. Ça va changer beaucoup de choses. Un instant, Seigneur.
Merci Seigneur. Redonne la paix maintenant. Merci Seigneur. Ferme leurs yeux. Je t'en prie, Seigneur, ferme leurs yeux maintenant. Je t'en prie, Seigneur, ferme leurs yeux maintenant. N'oublie pas ce que tu as vu. N'oublie pas ce que tu as entendu. Il y a la sonde. Écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi maintenant. Le feu de l'esprit a travaillé. Il reste de la cendre. Ces choses ont été consumées. Mais il reste de la cendre. Le Saint-Esprit envoie ses anges balayer cette cendre. Les temps ont changé. C'est un nouveau départ pour le temple que tu es. Un nouveau départ. C'est étonnant comment 2 Corinthiens procède. Quand nous prenons conscience que puisqu'un seul est mort pour nous, pour tous, personne ne doit plus vivre pour lui-même. L'amour de Dieu vient et nous presse. Et nous ne nous préoccupons plus de l'opinion des hommes. Si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Et là maintenant, l'apôtre dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le feu dévorant a consumé les choses anciennes. Et son vent souffle sur la cendre. Tu es tellement neuf là où tu te tiens maintenant. Pourquoi tout ça? Pour que tu entres dans ton mandat d'ambassadeur pour Christ, de ministre de la réconciliation, pour supplier les hommes à être réconciliés avec Dieu,
ils ne comprennent pas quel danger éternel ils encourent. Le Seigneur appelle maintenant son peuple à entrer dans le mandat d'ambassadeur pour Christ et de ministre de la réconciliation, de témoin de la bonne nouvelle, de prédicateur de l'évangile, pas comme on l'entend aujourd'hui à l'église, mais des hommes et des femmes qui annoncent chaque jour que Jésus revient bientôt, mais que personne n'est plus obligé de mourir dans son péché, puisque Christ a déjà payé. Alléluia. Si tu acceptes ce mandat, tu te lèves avec moi. Une onction nouvelle va venir sur toi. Une onction nouvelle vient sur l'Église pour le témoignage. Une onction nouvelle. Une onction nouvelle. Saint-Esprit, ouais maintenant chacun d'entre nous d'une onction spéciale. De sagesse, d'audace, de force, d'amour pour le témoignage. Saint-Esprit, ouins nos yeux afin que nous puissions voir comme Dieu voit. Ouins nos oreilles afin que nous puissions entendre comme Dieu entend. Ouvre nos mains, afin que nous puissions partager l'amour de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. Ouvre nos pieds, afin que nous soyons zélés pour l'évangile de paix. Ouvre nos bouches, afin que nous puissions parler avec assurance et avec autorité. Ouvre-nous au nom de Jésus. Ouvre-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Père. Merci Père. Merci Père. Ne gaspillez pas cette onction. Ne la recevez pas en vain. Ne gaspillez pas cette onction. Ne la recevez pas en vain. Merci Père. Merci. Ne doute pas que tu l'as reçu. Ne doute pas que tu l'as reçu. Ne doute pas que tu l'as reçu. Tu verras sa réalité dans l'action. Tu verras sa réalité dans l'action. Ceux qui n'agiront pas ne verront pas la réalité de cette onction. Merci Père. Merci Père.
dans ce dernier trimestre de l'année, il y aura des changements. Beaucoup de changements dans les vies. Ne résistez pas à cela. Ce sont des décisions souveraines du maître des temps et des circonstances. Ces changements s'inscrivent dans la nouvelle dynamique à laquelle il veut te lancer. Fais-lui simplement confiance. Ne lui résiste pas. Et surtout, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur, mon enfant, je suis avec toi. Je sais où je t'emmène. Je sais où je t'emmène. Beaucoup retourneront dans les zones de leur échec pour démontrer qu'ils ne sont plus seuls. Alléluia. Alléluia. Et tu sais au fond de toi de quoi il s'agit. Beaucoup vont retourner dans les zones de leurs échecs. Parce qu'avant, tu étais allé seul. Maintenant, le Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Dans cette période, traite durement ton corps. Tiens-le assujetti. Traite durement ton corps. Tiens-le assujetti. Parce que la plupart des rendez-vous divins ne viendront pas au bon moment. La plupart de ces rendez-vous divins ne viendront pas au bon moment. Ils viendront dans le temps d'extrême fatigue. Ils viendront dans le temps de faiblesse, dans le temps de faim, dans le temps de soif. Certains vont être privés de sommeil. Parce que le Saint-Esprit a prévu des rendez-vous. Peuple de Dieu, sois fort. Redouble de force. Car des grands rendez-vous t'attendent. Ne sois pas faible. Ne sois pas nonchalant. Père, ce peuple a répondu à ton appel. Il y a beaucoup de bonheur à faire ta volonté. Mais il y a aussi beaucoup de tourments dans la chair. Je te prie de les armer d'amour. Car on ne peut pas réussir sans t'aimer profondément. Oh Seigneur, rends-les capables de t'aimer plus qu'ils n'ont pu le faire jusque-là. Que ton amour les presse chaque jour. Afin qu'aucune peine ne les décourage. Aucune ruse de l'ennemi n'ait raison d'eux. Des victoires sur eux tous au nom de Jésus. J'appelle du progrès de gloire en gloire sur eux tous au nom de Jésus. J'appelle des percées sur eux tous au nom de Jésus. Oh, j'appelle la grâce de la persévérance, sur eux tous au nom de Jésus. J'appelle la grâce de la patience, sur eux tous au nom de Jésus. Que ce peuple excelle dans la qualité de la confiance qu'il te témoigne. Qu'il soit exemplaire, que leur confiance en toi soit exemplaire dans notre génération. Au nom de Jésus, qu'il soit passionné pour Christ, qu'il soit passionné pour son royaume et qu'il soit passionné pour sa justice. Que ce soit une passion, pas une information théologique, pas une connaissance théorique, mais une passion quotidienne, une passion réelle et quotidienne.
au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, merci Seigneur.